dans la brume, tout a l'air gigantesque. Je vois des animaux et des montagnes liquides, derrière lesquelles les dinosaures réapparaissent. Et quand le soleil se lève, ils activent leur mode invisible. Ça consomme beaucoup d'énergie, donc ils ont besoin de beaucoup manger. Alors, bim bam boum, ils mangent tous les arbres qu'il y a, et puis toutes les herbes qu'il y a, et puis tous les gens qu'il y a. Et puis, ils se mangent entre eux, et ils meurent, parce que ils sont trop gros pour vivre dans leur ventre. Heureusement, les arbres et les herbes ont de bonnes racines et à la pluie suivante, ils repoussent. Et il reste un diplodocus vivant. Il était au petit coin pendant ce temps-là. Le pauvre, il était constipé. Mais là, ça va mieux. Alors, il organise des teufs avec ses amis l'éléphant, le chat et le cochon. Il lance des paillettes en l'air. De toute façon, il y en a déjà plein dans la terre. Et ça bouche les artères des rats qui, dans ce nouvel ordre mondial, ne tarderont pas à tenter de prendre le pouvoir. On les connaît, ceux-là. Et dans la brume, derrière les montagnes liquides, il voit des aliens. Et tout a l'air gigantesque.